Ce questionnaire, j'allais dire, il dépasse un peu nos espérances parce qu'on est aujourd'hui, à l'heure où je parle, il y en a plus de 800 qui ont été reçus et je pense qu'on sera peut-être pas très loin des 1000, ce qui est en soi un véritable succès parce qu'on peut estimer qu'il y a eu 4000 questionnaires de distribués, ce qui fait un taux de retour de 25%, ce qui est relativement considérable. Et ce qui montre aussi que la population, elle reste quand même très sensible à toutes les questions qui concernent la santé. Alors, l'intérêt de ces assises, qui était, l'aboutissement de l'exploitation de ce questionnaire, c'était effectivement de montrer à une population, d'abord de lui demander de venir assister, écouter l'exploitation de ce questionnaire, qui est tout à fait intéressant à plus d'un titre, de recenser, d'être aussi l'occasion de leur redire « voilà l'offre de soins que vous avez » et « voilà là où nous devons travailler, voilà où ça manque et voilà toutes les possibilités que nous avons ». Il faudrait remercier tous les gens qui ont bien voulu répondre à ce questionnaire. Il faut remercier aussi les commerçants, les professionnels de santé qui l'ont tenu à disposition de leur patientèle ou de leur clientèle. Il faut remercier aussi les mairies qui l'ont mis à disposition dans les locaux municipaux. On l'a également distribué par voie sur le marché, comme les distributions habituelles qu'on peut faire. Et il a été également disponible sur Internet. Et ça n'est pas pour rien non plus que ce questionnaire va être là, non seulement pour faire des assises à un jour donné, mais être un observatoire de la santé sur le suivi, sur l'organisation effectivement de cette offre dont on pense qu'elle n'améliore pas la qualité des soins en renvoyant les gens sur le puits et non pas sur Clermont-Ferrand. Et c'est important que le maximum de personnes puissent assister à ces assises parce que ce sera vraiment un lieu où on pourra échanger, débattre et proposer.